Cette région du Sud-Saharien, dans l'actuelle République du Niger, c'est l'Azawak, une zone de collines et de dunes mortes, fixée par une végétation dont l'abondance est par endroits étonnante. C'est un pays faiblement ondulé, avec de petits massifs, des plateaux rocailleux et des surfaces de désert total. Début du mois d'août. À l'aridité de la saison sèche, ont succédé les pluies tropicales qui font verdir le paysage. Ce chamelier touareg en mission de reconnaissance, c'est Dinas. Il doit repérer le nouvel emplacement où viendra s'établir le campement de son groupe, car les pâturages s'épuisent vite, et il faut souvent se déplacer pour assurer la subsistance des troupeaux. Mais la présence de l'herbe n'est pas la seule condition requise pour choisir le lieu du campement. Il faut aussi de l'eau à proximité pour abreuver les animaux. Cette grande mare suffira pour plusieurs centaines de têtes de bétail. Binas a terminé sa mission de reconnaissance. Rentré au campement, son rapport sera bref. L'endroit est bon. Le lendemain matin, c'est le grand branle-bas du départ dans le campement des Yuliminden. Sous la direction d'un forgeron, des femmes, des servantes, démontent la grande tente du chef Mohamed Aghel Korer, qui règne sur une chefferie de 31 tribus. Cette chefferie est la plus importante qui subsiste encore chez les Touaregs de la République du Niger. Elle groupe environ 1500 personnes. Le chef Mohamed est assis devant la tente au milieu de sa famille. En enroulant le litam autour de sa tête, il respecte les traditions nobles. Celle-ci exige de ne pas montrer sa bouche, ce qui est considéré comme impudique. Dans cette société qui n'a pas renié ses origines matriarcales, l'épouse du chef, Fatih, représente encore l'autorité réelle de la femme noble. Elle est consultée sur des points importants comme les mariages, l'éducation des enfants. Chez les Touaregs, les serviteurs et les servantes de race noire étaient autrefois des captifs. Bien que les rapports sociaux aient changé avec l'avènement du nouveau régime politique, les structures n'ont en fait pas beaucoup bougé. Partout alentour, le démontage des lourdes tentes de peau se poursuit activement. Pendant que s'activent autour d'eux les préparatifs du départ, les artisans poursuivent leur travail comme si de rien n'était. Aux femmes sont dévolus le travail des peaux et la confection des nattes. Quant aux hommes, leur métier s'exerce sur le métal ou sur le bois. Ces artisans, qu'on appelle habituellement forgerons et forgeronnes, occupent une place particulière dans la hiérarchie sociale. Selon les cas, ils se disent libres, bien qu'en réalité, ils doivent tribut à leur maître noble.
Traditionnellement, le maître assure la sécurité de ses forgerons. Il leur donne, une fois l'an ou davantage, un mouton. Il achète pour eux des tissus de Guinée bleue. Il reçoit en échange armes, bijoux et parures. Dans certains cas, il paie le travail des artisans comme doit payer un seigneur, c'est-à-dire en vache, en chameau. Et par conséquent, il paie cher. D'ordinaire, la production reste en circuit fermé dans le campement. Cependant, les artisans, quand ils le peuvent, utilisent les marchés les plus proches pour vendre leurs produits une fois par semaine. Le démontage du camp est maintenant à ses avancées. Le déplacement commence. Les troupeaux les plus lents se mettent en marche les premiers. C'est la richesse des Touaregs qui se déplace ainsi, car leur civilisation est encore totalement pastorale et le bétail constitue le fondement de toute leur économie. Les bœufs porteurs transportent les éléments des grandes tentes des nobles et leur mobilier dans ces déplacements qui peuvent avoir lieu très fréquemment, tous les 3 ou 4 jours en saison sèche. Les serviteurs noirs, appelés Iklan, qui sont bergers ou serviteurs de tente, ont chargé leur matériel sur une cohorte de petits ânes. Les chameaux partent à leur tour. Leur importance est capitale, car la richesse d'un nomade se compte avant tout en chameaux. Un noble peut en posséder plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Petit à petit, l'une après l'autre, les tribus et leurs troupeaux arrivent au nouvel emplacement où le campement s'établira pour quelques jours. Les différentes fractions de la chefferie vont se répartir sur une surface de plusieurs kilomètres carrés. La proche famille du chef s'est regroupée à l'ombre d'un arbre. C'est le plus bel endroit, au sommet d'une dune qui domine tout le paysage. Le chef Mohamed indique où sa tente devra être montée. Les mêmes servantes qui ont démonté la tente le matin vont la remonter l'après-midi à l'endroit désigné par le chef Mohamed. Elles plantent d'abord les piquets centraux. «
Elle relie les sommets des piquets avec des faîtières sur lesquelles viendra se poser la tente. Les lits, formés d'un assemblage de barreaux de bois recouverts de nattes, sont installés au milieu de la tente, entre les piquets. Ces cordes, tendues entre les poteaux, formeront une armature qui sera solidement arrimée au sol. Le mobilier des nomades, les nattes et les sacs à effet, sont ensuite accrochés au piquet. Puis les femmes amènent la tente elle-même. Formée de 200 peaux de mouton cousues ensemble, elle est très lourde. Cette tente imposante compte parmi les plus vastes qu'on puisse trouver chez les Touaregs. Elle atteste l'importance du chef Mohamed, qui, avec sa famille, assiste aux opérations. La tente est d'abord posée sur les piquets centraux. La tente est ensuite déployée de part et d'autre pour mesurer l'endroit où l'on enfoncera les piquets tendeurs. Il faut creuser très profond dans le sable afin que les piquets tendeurs résistent à la traction que la tente, avec son poids énorme, exercera sur eux. Enfin, dernière opération, la tente est arrimée au piquet tendeur par des lanières de cuir. Quand la nuit tombera sur le campement, toutes les tentes de la chefferie, celles des Touaregs comme celles des serviteurs, seront à nouveau dressées. Dès le lendemain matin, la vie reprend son cours normal. Berger des vaches, serviteur de race noire comme tous les bergers des Touaregs, Algamis joue de la flûte pour ses animaux. Sur son instrument à quatre trous, fait non pas d'une racine, mais d'un simple tuyau de cuivre qu'il a dû trouver sur un chantier, il joue une mélodie qui appelle ses bêtes à se rendre au pâturage. Thank you.
Les chameaux se réveillent. Commence alors cette profonde rumeur si caractéristique qui durera toute la journée. Les chamelons sont enfermés durant la nuit dans un enclos d'épineux qui les empêche de fuir et les met à l'abri des hyènes et des chacals. Le lait des chamelles forme la base de la nourriture des Touaregs. Pour bien traire une chamelle, on lui amène d'abord son chamelon qui, en têtant, amorce en quelque sorte la traite. Le lait, sitôt trait, peut être consommé tel quel. Il est aussi transformé en beurre dans des outres spécialement prévues à cet effet. Mais le lait et ses dérivés ne suffisent pas à nourrir le nomade. Celui-ci ne consommant que rarement de la viande, dans les grandes occasions seulement, il lui faut un complément. C'est le mil qui le lui fournit, consommé sous forme de bouillie en même temps que le lait frais. C'est pourquoi, de l'aube à la nuit, la vie sur la dune est rythmée par le labeur harassant des servantes qui pilent le mil dans les mortiers. La grande tente du chef est le centre de la vie du camp. Dès le matin, une assemblée nombreuse s'y réunit. C'est d'abord la proche famille du chef. Ce sont les nobles, les imagérènes, les anciens guerriers. Ils représentent aujourd'hui 2 à 3 % de la population Touareg. Chez eux, la filiation obéit encore aux règles strictes de la matrilinéarité. C'est le sang de la mère qui fixe la position dans la caste. Il y a aussi le marabout, l'homme instruit dans la religion musulmane et qui joue le rôle d'enseignant en matière religieuse. Connaissant le droit musulman, le kanoun, il est aussi le cadi, c'est-à-dire le juge pour les affaires coutumières. Il y a encore les tributaires, les imrades, Touareg libres, mais en position de vassalité par rapport aux nobles. Le chef Mohamed est entouré de ses parents directs, dont certains sont chefs des fractions de son groupe. Il les présente à l'ethnologue Jean Gabu, qui le questionne sur les origines de sa famille. Dans une chefferie que vous connaissez bien, qui est une chefferie de la boucle du Niger, près de Goundam, la famille de Cheboun, son fils Adari Bakcheboun,
m'avait parlé d'un ancêtre qui était Karidena, qui était à l'origine de leur famille, Karidena. Mais il me semblait que cet ancêtre était également l'un de vos ancêtres, n'est-ce pas la même famille? Elle dit que oui, elle dit que c'est vrai, c'est une famille de la chefferie, la famille des Chaboun, qui était au Bouc du Niger, et c'est la même chose, c'est la même famille qu'ici. Elle dit qu'il y a son fils, Rdouane, qui est là, grand-fils. Oui. Et c'est le petit-fils, c'est là, Hamzata. Moi, il est, sa mère et ma mère, ce sont des sœurs. Ah, c'est ça, c'est des cousins, oui. Marem Dinas, Ntada. Ntada, Nani, Natmosati, Yabani, Tamakar. Lui qui est Binas qui est là, c'est la mère au chef qui est la grande sœur au père à Binas. Marne Mahmoud, Ntadia Galkas, Ntada, cause d'Adresnega. Lui qui lui aussi a un qui est là. Il a, il voit aussi son, son père, c'est le cousin du chef. C'est le petit-fils du chef qui est là. Ça fait un ensemble de tentes assez impressionnant. Est-ce que vous arrivez à 100, 200 tentes? C'est 200 ou plus. 200 ou davantage. Ou davantage. L'heure du thé, servi le matin et l'après-midi, donne lieu à un rituel minutieux et précis qui est un des aspects les plus visibles de la vie sociale. C'est le forgeron du chef qui est chargé de sa préparation. Le forgeron du chef est un personnage important. Compagnon de jeu de Mohamed, quand celui-ci n'était qu'un jeune noble, et élevé avec lui comme le veut la coutume, il lui restera attaché toute la vie. Il ne quittera jamais la personne de son maître, et quand celui-ci sera devenu chef, il le secondera dans tous les actes de sa charge. Le bon usage veut que l'on boive toujours 3 verres de ce thé très fort et très sucré. Il serait malséant d'en demander un quatrième, comme de se contenter d'un seul. Le gouvernement de Niamey a laissé au chef Touareg certaines attributions en matière de droit coutumier. C'est ainsi qu'avec le Cadi, juge expert en droit musulman, Mohamed doit se prononcer sur une demande en divorce. Le mari dit « Je veux bien garder ma femme, mais elle refuse de rentrer. Je divorce donc en prenant la dot qui est de 3 vaches. » La femme déclare « Je demande le divorce d'avec mon mari Mugaya et suis prête à lui rendre la dot. » Mohamed demande encore à la femme pourquoi elle veut divorcer. Elle répond, je ne l'aime plus. Les minutes du procès sont consignées par le cousin du chef à l'intention du ministère de la Justice. La conciliation se révélant impossible, Mohamed prononce le divorce et renvoie les époux par un simple geste de la main. C'est maintenant l'heure où les troupeaux vont se rendre au pâturage.
Chaque berger a un cri particulier pour appeler les bêtes dont il s'occupe. Ici, le berger des chamelles leur donne le signal du départ. À son tour, avec un cri différent, le berger des chamelons fait sortir les petits de leur enclos d'épineux. Et le berger des vaches pousse devant lui son troupeau. Pendant ce temps, Fatou, jeune fille de famille noble, joue de son nanzad, l'instrument le plus célèbre et le plus apprécié chez les Touaregs. Symbole de l'amour, cette musique met parfois ses auditeurs en transe. Elle a aussi, dit-on, des vertus thérapeutiques. Fatou joue ici une mélodie destinée à calmer les douleurs d'une femme qui accouche. Dans une tente voisine, des femmes fabriquent de somptueuses nattes. Les forgeronnes se servent de tiges d'afaso bien droites qu'elles enrobent de laine colorée dont elles composent des motifs géométriques. Les femmes travaillent en équipe. Elles appartiennent à diverses tentes du campement et se partagent les produits, souvent substantiels, de la vente. Car ces nattes font partie des cadeaux que s'échangent les familles nobles lors d'un grand mariage. L'outil principal dont se servent ces forgeronnes est un poinçon destiné à serrer les fils de laine. Chaque tente d'artisan abrite sa spécialité. Ici, des femmes confectionnent des coussins en cuir de vache. Elles teignent les peaux d'un beau rouge sombre en étalant la couleur avec la main.
Finement gaufrés, des ornements de cuir vert, la couleur noble par excellence, seront ensuite appliqués sur un fond jaune aux deux extrémités du coussin. Ce sont des motifs de caractère phallique. Une fois bourré de balles de mille, ce coussin deviendra un confortable accoudoir qui permettra de prolonger sans fatigue les palabres sous la tente. Le milieu de la journée approche. La chaleur est montée. Encore te serré, les troupeaux assoiffés se rendent à la mare pour boire. Petit lac, produit par l'accumulation de l'eau de pluie dans une dépression du terrain, la mare a une existence éphémère. Comme l'herbe des pâturages, c'est un cadeau de la saison humide. Durant la saison sèche, la mare disparaît complètement et le pays, calciné par le soleil, redevient implacable. Les pâturages sont rares et maigres. Quant à l'eau, c'est du fin fond des puits qu'il faut la tirer. Abreuver le bétail est alors une épuisante corvée à laquelle toute la vie du nomade est subordonnée. La saison des pluies, c'est un temps de répit dans la vie du nomade. Son travail est moins pénible, ses déplacements moins fréquents et moins longs. C'est un court intermède de détente et d'abondance. Tout au long de la journée, des ânes chargés d'outres, conduits par des enfants, font la navette entre la mare et le campement
pour l'approvisionner en eau. Entre deux va-et-vient, les petits conducteurs des ânes s'accordent une joyeuse baignade. Pour eux aussi, la saison des pluies est celle de l'allégresse. Mais c'est aussi la saison où le temps change très vite au cours de la journée. Le soleil se voile, le ciel se charge de nuages. Il ne faut pas tarder à rentrer au camp si l'on ne veut pas être surpris en chemin par la tempête qui menace. Brutalement, le vent se lève. Le campement s'organise pour résister aux assauts de la bourrasque. Le ciel s'assombrit encore. La lumière baisse et tourne au rouge. Sur son passage, le vent a soulevé des masses de sable qui vont déferler. Pour n'offrir aucune prise au vent, les tentes se ferment au ras du sol. La tempête aura beau redoubler de violence, elle ne pourra les arracher. Bientôt, l'obscurité devient presque totale. Comme d'habitude, la tempête s'est apaisée aussi soudainement qu'elle est venue. Shahadu anna Muhammadan Rasulullah.
محمد رسول الله. Le marabout appelle à la prière de l'après-midi. C'est devant un petit arbre, dans les branches duquel se trouve le tapis à prière, que le chef Mohammed et les nobles qui l'entourent vont se prosterner vers l'est, en direction de la Mecque. Tout le camp participe à la prière sous la direction du marabout. Les Touaregs pratiquent l'islam depuis le 7e siècle, mais ils l'ont adapté à leur tradition, notamment en ce qui concerne la liberté laissée aux femmes, héritage de l'ancien matriarcat. La chaleur de l'après-midi, l'ombre des tentes offre un refuge propice. On s'y assemble pour écouter des chanteurs. Flûte mise à part, le chant est la seule musique que pratiquent les hommes, mais seulement les forgerons et les bergers, jamais les nobles. En dépit de 12 siècles d'islamisme, les Touaregs n'ont pas abandonné leurs croyances anciennes. Ils peuplent la nature de génies dont ils se protègent en portant de nombreux talismans. La divination est encore une pratique courante. Sur le sable, les symboles du destin s'inscrivent avec les doigts. Le devin s'applique à oublier ses mains afin qu'elles appartiennent mieux à l'autre force et que ses doigts se fassent l'instrument de Dieu. Les valeurs de ce cercle avec les quatre points. Ça, c'est la mort et la tombe. Et ces deux traits. Bonne chance. Hein. Et ce signe? Ce signe, on aura des discussions dans le campement aujourd'hui, peut-être. Ça, c'est le jeu du chacal. Ça, c'est le mortier de sa belle-mère. Ça, c'est la moitié de son père. Ça, c'est la moitié de sa sœur.
de sa fille pour lui personnel ça. Alors il commence à piler. Il pile comme ça. Table de jeu, le sable permet de meubler les longues heures passées sous la tente avec des joutes où se mesure la dextérité manuelle et l'agilité d'esprit. Étoile. Et puis, le sable est aussi une planche à dessin, tout un art géométrique qui déploie fugitivement ses motifs raffinés. Enfin, le sable se prête aux longs doigts déliés des Touaregs pour y inscrire les caractères de leur écriture, le tifina, expression graphique de leur langue, le tamashek. Lentement, l'après-midi s'écoule sous les tentes. Chez des forgerons fabricants de bijoux, l'un d'entre eux achève de façonner un tcherot. C'est un pendentif en argent repoussé. Ayant acquis sa forme définitive, le bijou est mis une ultime fois au feu avant de recevoir sa décoration. Sans aucun dessin préalable, le forgeron va commencer l'ornementation du tcherot. Avec un burin, il attaque directement la surface du métal selon la technique du guillochage.
L'intérieur du tcherot sera rempli de sable. Souvent, on y introduira des textes du Coran, des lettres magiques ou des chiffres empruntés aux sciences connues des marabouts. Ainsi, le tcherot deviendra amulette, talisman de sécurité. Doté de ses vertus protectrices, il sera porté par les hommes comme par les femmes et viendra rehausser la parure des grands jours. Ce n'est que dans les grandes occasions, lors d'un mariage, pour honorer un hôte ou célébrer la fête du prophète, que les nobles et les tributaires se livrent au grand jeu de Tagareyat, le carrousel de chameaux. Très sensibles à ce genre de musique, les chameaux tournent autour des servantes qui rythment leur chant en battant des mains et en frappant des tambours. En participant au carrousel de chameaux, les jeunes Touaregs, qui viennent de recevoir leur épée, montrent à tous qu'ils sont dorénavant intégrés dans le monde des adultes. Des serviteurs, des iklans, s'adonnent à l'escrime avec la longue épée appelée takuba. Un bâton ou une lance remplace le bouclier d'antan et permettent de parer les coups de l'adversaire. À voir ce jeu se dérouler comme un combat au ralenti, on se prend à évoquer les temps révolus où les chefferies Touareg et leurs guerriers nobles s'entre-déchiraient en des luttes sans merci. À ce jeu d'armes subtiles et feutrées, d'autres serviteurs, Bella ou Bouzou, opposent une danse spontanée qui les conduira au degré le plus avancé de la transe. Ha!
L'après-midi touche à sa fin. Inlassables, les petits ânes chargés d'outres font encore le chemin de l'eau. Les uns après les autres, les troupeaux vont rentrer des pâturages. Les chamelons sont les premiers à regagner l'enclos d'épineux où ils passeront la nuit en sécurité. Pendant que le campement s'apprête à franchir la nuit, on ne peut s'empêcher de se poser cette question. Le crépuscule descendra-t-il encore souvent au terme d'une journée comme celle qui s'achève, sur cette manière de vivre, sur cette forme de civilisation en apparence immuable et pourtant travaillée par d'irrésistibles mutations ?